J'ai l'impression que ton super endroit est devenu... un resto miteux. Encore une putain de victoire du consumérisme aveugle. Un point pour l'équipe adverse, hein? Ah, c'est pour ça qu'il faut pas ramener les guerriers morts au combat. Tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils se sont battus pour rien. Tu veux bien revenir? Je suis prête. Et toi? Ça fait longtemps que vous êtes à Night City? Assez longtemps pour savoir qu'il faut pas perdre de temps avec ce genre de questions. Je vous sers quoi? Salut. Le Rainbow Cadenza, ça vous dit quelque chose? Et allez, encore un. Vous êtes pas un peu jeune pour ça? T'as pas l'air sur le coup. Pardon? Tous les jours, il y a des vieux en blouson de cuir qui se pointent pour demander où est passé leur club de has-been. Et moi, je leur répète comme un disque rayé que les corpons l'ont racheté il y a une vingtaine d'années. Je devrais mettre une pancarte. T'as pas l'air sur le coup, là. Vous auriez pas entendu parler de bootleg de l'époque du Rainbow Cadenza? Genre, je sais pas, du samouraï. Samouraï... Ah! Cette horrible tête rouge sur fond noir, là? Ah, ouais, même moi, je connais. Y'a un vieux qui porte leur t-shirt. Il vient ici, de temps en temps, pour parler du passé avec des potes psychophanes. Vous sauriez pas où je pourrais le trouver, par hasard? T'as l'air sur le coup, là. Cherchez-le dans les années 20, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il est tout le temps au marché d'à côté. Quoi, il fait ses courses là-bas? Non, c'est vous qui pouvez faire vos courses chez lui. Enfin, si c'est votre truc. Ça fait longtemps que vous êtes à Night City. Il vend des vieux enregistrements moisis de vieux groupes indés moisis dont personne n'a jamais entendu parler. Nova, merci. Salut, je cherche de la bonne musique. Vous avez de la laser pop? Un truc des Huskrax? Je vends pas de scope, moi. Soit vous voulez de la vraie musique, soit de la merde fluo. Relax, Choum. C'était une blague. Laser pop? Ah! Oh là là! J'ai pas ce genre de boost dans mes bacs, moi. Ouais, qu'on peut trouver de la bonne zik ici? Eh ben, ça dépend de ce que vous entendez par bonne. J'ai du cartésien dualiste, du Eurodyne, du Tented Overlord. Et du samouraï? Ha! Mais c'est quoi cette question? Never fade away! Dancing with my axe! Chipping in! J'ai absolument tout! Tout! Silverhand était le seul vrai messie du rock. Je distribuerais leurs albums gratos si je pouvais. Mais faut bien manger. Waouh, je suis tombé sur le plus gros fan de Silverhand, je vois. Et fier de l'être. Les rockers bidons d'aujourd'hui font pitié. Silverhand avait un truc en plus, dont les autres peuvent que rêver. Une main en argent? Le feu, gamin. Le feu sacré. Il a ébranlé les fondations du monde corpo. Et il est mort pour ses idéaux. Et son léger côté terroriste, ça vous gêne pas? Blaze way down the rebel pass. Je cherche du vrai collector. Genre... des bootlegs, des premiers concerts de samouraï. Des premiers... Vous réalisez ce que vous demandez? Vous dites ça comme si... comme si c'était rien. Je sais pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Je les donne pas à n'importe quel pommard. C'est pas du baratin, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Silverhand. Allez-y, épatez-moi. Je sais ce qu'il a dit à Kerry la dernière fois qu'ils se sont vus. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Mais bien sûr. Moi aussi, je peux leur inventer des conversations privées. Sans témoin. Je suis souvent venu ici du temps du Rainbow Cadenza. Un bootleg,
Ça ferait vraiment un super souvenir du bon vieux temps. C'est ça. Vous êtes bien trop jeune pour avoir vu Samouraï en live. Vous étiez même pas encore né à l'époque. Eh, faut pas se fier aux apparences. Qui vous dit que cette belle gueule est pas un implant? D'accord. Prouvez-le. Comment a fini le troisième concert de Samouraï? Hey Johnny, amène ton cul numérique par ici et souffle-moi les réponses. Tiens, en voilà une de réponse. Va te faire foutre, mais je suis pas ta secrétaire. Alors, j'ai pas toute la journée. Putain, Johnny! Pourquoi tu me coules maintenant? Alors, réponse. C'est marrant, je m'emmerde, et j'aime pas ton putain de conformisme. Eh, vous buguez souvent comme ça, là? Notre troisième concert, c'était au Cadenza. Il y a eu un feu et des pommards bourrés ont voulu l'éteindre avec de la binouze. La coupe afro de Denny a cramé. Elle a porté une perruque pendant des semaines parce qu'elle a jamais voulu de cybercheveux. Attendez, je me souviens. Il y a eu le feu. Oh, la pauvre Denny. Ses pauvres cheveux, surtout. J'avais presque oublié. Paraît que c'est Johnny qui l'avait allumé, en jetant une clope pas éteinte. Connerie. C'était la clope de Kerry. Mais dès qu'il y a une couille, c'est la faute à Johnny. Je peux toujours pas croire que vous y étiez. Mais on s'en fout. Faut être un vrai fan pour savoir ça. Et puis bon, faut éduquer la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci, c'est sympa. Prenez-le. Prêchez la bonne parole de Silverhand. Mort au corps. Tu sais, on dit que le temps est le meilleur des profs. Je l'ai cru pendant longtemps. Regarde ce type. Il a au moins 60 balais et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer? J'ai réduit la tour à Arasaka en cendres. Mais elle est toujours là, comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'il change, et qu'il change le monde. Ça fait 60 ans. Il y a forcément eu du changement. Ouais, au niveau des apparences. De nouvelles interfaces, de nouveaux sirotscopes avec des goûts fruités, originaux. Un nouveau visage pour Arasaka. Nouvel emballage, même merde. On le voit peut-être pas, mais... il y a des choses qui changent quand même. Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de bidoche criblé d'un plan d'occasion.